Regarde-moi, tu veux qu'on avance ou pas? Tu me fais pas peur, mon frère. Tu me fais pas peur, je te dis. Calme-toi, c'est bon. Je te dis, tu me fais pas peur. C'est bon, tranquille. Me donne pas des conseils, je te dis. Mais attends, frérot, attends. Écoute. Yo, salut la team du père Bourras, BTG Bartagueul. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle caméra cachée, un nouveau prank. On est à la boîte de nuit, le Sirin. Donc, on est venu piéger Ali. Ali qui s'occupe des chichas dans cette boîte de nuit. Grâce à la complicité de Mehmet, le patron, on a réussi à piéger Ali. Donc, dis-nous ce que tu as ressenti. Franchement, il m'a mis une pression. Qu'est-ce qu'on se bat? Donc voilà, moi en fait, je me suis fait passer pour un responsable, en gros, que j'allais ramener des gros artistes. Donc je suis venu donner quelques conseils pour les préparations de chichage. Donc comme vous me connaissez, la team du père Bourras, je suis un peu violent dans mes mots, dans mes propos. Et donc voilà, grosse dédicace à Mehmet, le grand patron du Sirin qui se trouve au Pontet. Donc je mets tous les renseignements juste en bas, en description. Vous avez juste à cliquer et vous allez tomber sur le Facebook et tout ce qui est réseau internet. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Mehmet? Il est au top, magnifique. Voilà, team du père Bourras, c'est parti, c'est maintenant et c'est tout de suite, BTG Bartagueul. Donc là, comme vous voyez, il y a Ali qui arrive, la personne que je vais piéger. Voilà, il y a Mehmet qui passe juste derrière pour me prévenir. Et voilà, le piège commence. Qui frappe cette marque là? Salut, ça va? Tranquille? Mouad, Aïdan. Il va travailler avec toi, t'as vu? Ouais. Dans les chichas, allez, le samedi, c'est chaud, t'as vu? Et voilà, il a préparé entre vous, nan, c'est bon? Hein? C'est comment? T'as vu, il va organiser des soirées la semaine, il vient de Paname en fait, t'as vu? Il connaît plein de gens, t'as vu? J'ai dit ça va le tenir, ça va tenir ou pas? Et bon, avec lui, fais la chef là. Tu peux baisser un peu la musique? Vas-y, ouais. Salut, c'est comment ton prénom? Moi, c'est Ali. Ali? Moi c'est Bourras. Donc on va faire un petit brief juste avant. Viens, on se met là. Tu bosses? Ouais, tu bosses ici? Ça se passe comment d'habitude? Ça se passe bien? Parce que moi je suis là pour voir si tout se passe bien, si tout est nickel. Tu vois, si les chichas tu les montes bien, parce que moi tu vois je viens de Paris. Et je ramène des artistes et tout. Je vais à Paris ici. Hein? Moi j'y vais souvent à Paris. Tu y vas souvent à Paris? Bref, ah ouais, d'accord, ok, parce que moi je suis là pour voir comment ça se passe et spécialement les chichas, tu vois. Je veux vraiment que les chichas soient bien montés parce que moi je ramène des artistes, il y a beaucoup de gens. Donc j'espère que... C'est comment déjà ton prénom? Moi c'est Ali. Ali? Ok, nickel. Donc tu m'expliques un peu comment ça fonctionne? Ici, je t'ai expliqué exactement quoi, tu veux savoir quoi exactement? En général, quand tu viens, que tu taffes, comment ça se passe? Est-ce que tu vas livrer les chichas ou non, pas? Je livre pas. Ce soir, par contre, je sais pas si t'as dit, mais tu vas livrer ce soir. Début de soirée, je livre. D'accord. Et après, tout le monde vient chercher sa chicha. Tout le monde vient chercher sa chicha? Tout le monde vient. Spécialement, moi, ce soir. Parce que ça dure 30 secondes, mon frère. C'est quoi? Ça dure 30 secondes, quelqu'un qui vient chercher sa chicha. Et je l'allume peu. Ouais. Il me commande, ça a 30 secondes. Ouais, mais moi, je préfère que ce soir, tu les livres pour que je vois comment t'es avec les clients et tout ça. Comme ça, au moins, c'est carré, tu vois. Moi je préfère les mettre les points sur les i, tu vois, parce que c'est comment ton prénom? Mais déjà t'es là aujourd'hui, demain, ouais. Tu vas être là pendant un bon petit moment. Pendant un bon petit moment, donc je vais voir comment ça fonctionne. Mais si après toi t'es pas là, ouais, et que j'habitue les clients comme ça, ouais, moi ça je travaille pas. Mais ça c'est pas mon problème, moi le truc c'est quoi? C'est comment ton prénom déjà? Moi c'est Ali. Ali, ok, moi je veux juste voir, est-ce qu'on peut commencer pour que tu me fasses voir un peu? Tu veux que je commence quoi? Bah ton taf. Mon taf, toutes mes têtes elles sont prêtes. Elles sont déjà prêtes? Ok. Tu veux voir les têtes? Vous, Bizim Kulendem? Hein? Bizim Kulendem, je sais pas. Bon, attends, j'arrive. Viens, viens, mon frère. Je peux pas comparer ici à Paname, en fait. Non, nous, en fait, on n'est pas là pour comparer ou pas comparer, tu vois. Ouais. Le truc, c'est que moi, je veux savoir comment tu taffes. Parce que moi, j'ai Jules qui va venir. J'ai Mohala Squal, ça c'est vraiment. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, eux ils vont faire. Déjà en plus t'es en retard, je crois, non? Là? Ouais. Pas vraiment. Pas vraiment? À la soirée, ils viennent, ils me demandent un charbon. Le temps que mon charbon il s'allume, j'ai mis mon bouchon, mes charbons, mon tuyau, ça démarre après, ça dure 30 secondes. Parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, tu sais, parce que moi j'ai parlé un peu avec les responsables et tout. Ouais. Et ils m'ont dit que des fois il y en a quand ils tirent, les chichas sont pas bonnes. Donc moi j'ai pas envie que tu me fasses du cinéma et tout, tu vois. C'est l'aluminium, mon frère. C'est quoi? C'est à cause de l'aluminium. Ouais, mais on dit souvent ça, mais... Le tabac, il vient de Dubaï. Non, mais c'est pas la question que le tabac il vient de Dubaï. Moi, je préfère être clair avec toi. C'est comment ton prénom déjà? Moi, c'est Ali. Ali.
Moi, je préfère que tu me dises des trucs comme ça. Je ne vais pas retenir mon prénom. Il n'est pas compliqué. Allez. Ouais. Voilà. Je peux t'appeler. Allez. Comme tu veux. Moi. Ok. Donc là, tu. Mais je ne distribuerai pas les chichas. Si non, je fais ça aujourd'hui, demain, après-demain. Non, mais attends, viens, on va faire le brief là-bas, viens. On va parler avec viens avec moi là-bas, parce que là, il y a les gens et puis. Laisse tomber ça, tu vois. Ouais, viens, viens avec moi là-bas. Notre ami Abdelkader, il commence à monter en pression. Viens. Ah, jamais mon frère. Allez, viens, viens. En pression. Ah. Si le patron, il me monte en pression. Dans la soirée, tu dis 2 chichas, 6 chichas. Vas-y, tu verras, tu sais. Parle avec lui derrière. Non, mais je crois qu'il a pas très bien compris qui j'étais en fait. Tu diras après. Je crois qu'il a pas très bien compris qui j'étais, mais je vais lui expliquer. Ouais. Tu veux avec moi? Vas-y, je crame de quoi, je connais pas. Tranquille. Sérieux ou quoi? Tranquille. Je sais pas, tu veux juste. Tranquille. Personne tremble, oh, frérot. Non, mais je sais pas, quand tu dis devant les gens, ils connaissent pas qui je suis, tout. Ça, j'aime pas. De quoi? Je suis en train de voir. Donc ouais, explique-moi tout, parce que comme je t'ai dit, moi je suis le responsable, tu vois. Comme j'ai dit à ton patron. Ouais. Donc moi je veux voir comment tu taffes. Et moi je veux que ça. Moi je veux que ce soit pas les gars qui viennent, parce que moi je me bosse avec Jules, Mohala Squal, Naps, Soul King. Non, on bosse avec Mehmet. Ouais, je le connais depuis longtemps, Mehmet. Donc tu vois, à un moment donné, moi je veux pas que Jules, quand il fume sa chicha, tu vois, il commence à venir à dire oh, Ali, reviens. Tu vois, toi tu fais des allers-retours, toi ça t'emmerde, ça lui fait. Ça l'emmerde et moi ça m'emmerde. Moi je veux pas qu'il vienne et qu'il. Tu vois ce que je veux dire? Ça me va peut-être une la soirée, pas deux. D'accord. Bah explique, tu peux discuter en même temps non, que tu. Je t'ai dit au tout début avant que je sois arrivé. Hein. Faut pas s'énerver, faut. Non, tu vois, jamais, faut. Voilà, moi, moi je préfère être cool avec toi. Cousin, mais faut c'est pas mon cousin au travail, c'est mon patron. Moi lui. Ça c'est bien pas, déjà. Mais quand t'es là-bas, tu dis il sait pas qui je suis, moi personne n'est qui. Non mais on va pas partir dans ce délire, tu vois ce que je veux dire? Tu peux nous laisser s'il te plaît? Laisse-nous parce que si quand il va te voir, après il va commencer à lui pousser, ça va lui pousser des ailes. Qu'est-ce que je voulais? Tu vois, c'est des phrases comme ça, ouais. Que tu, ça va me pousser des ailes de quoi? Mais non mais écoute, moi je parle gentiment ça, avec toi. Non mais il faut que tu te calmes. C'est toi. Faut que tu te calmes, Kader, écoute. Non, c'est pas Kader, ouais, excuse-moi, Ali, écoute. Moi je suis là pour que ça se passe bien. Tu sais le nombre de personnes qui se plaignent des chichas? Tu veux que je sois clair avec toi? Je vais être clair avec toi. Non, mais je vais être clair et je vais te dire la vérité pourquoi je suis là. Non, mais tu veux que je dise quelque chose? Vas-y, dis-moi. Écoute, Mehmet, tu veux pas te le dire? Mais moi, je suis là parce qu'il y a trop de monde qui se plaignent parce que tes chichas, c'est de la merde. Mais c'est tu vois ce que je veux dire? Non, mais arrête. Maintenant, moi, je suis payé par Mehmet. Écoute, arrête de me dire impossible, on peut l'appeler, il va te le dire. Mais vas-y. Et moi, s'il y a des stars qui viennent ici, c'est pour qu'ils fument une chicha tranquille. Moi, quand j'ai laissé un collègue, un cousin à moi me remplacer. Là, les gens ils sont pétants chez lui, ils me disent oh, Ali, putain, heureusement que t'es venu. Heureusement que t'es venu déjà d'une, ouais. Ça va pas parce que t'as pas envie de te déplacer. Moi, ouais. Je veux un mec qui se déplace. Non, moi je me déplace pas, frère. Ça veut dire quoi si je te dis qu'il y a un tacos là-bas, tu vas y aller? Hein? Non. Là, tu vas y aller? La tête de ma mère que non. En plein arrête, temps, si je te dis qu'il y a un tacos là-bas, va le chercher, tu vas la poser la chicha. Ah, non, donc moi, je préfère être. Non, mais moi je suis comme ça, je suis cool. Moi je suis cool, t'as vu, moi j'ai pas envie de te mettre la pression, non, mais moi t'as vu, moi c'est compliqué, moi derrière ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Tu me mets pas la pression, mon voilà, frère. Tranquille. Je suis direct avec toi, je te dis, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mon job, c'est moi, c'est comme ça, c'est mon cas. Déjà, tu vois, quand tu ouvres comme ça, regarde, je vais te faire c'est voir. Mon cas. Non, je sais, il y a le trait. Il y a le trait, c'est pour ça que je te dis. Jusque là, t'as vu, j'ai. T'en as quoi? J'en ai trois enlevés. D'accord. Là, ça suffit. Faut pas stresser, hein, je vois, non, t'es un peu stressé. Je suis venu 10 minutes en retard, c'est pour ça. Ouais, faut pas venir en retard, c'est ça le truc. Faut venir à l'heure, tu vois, en mode professionnel, on est des professionnels, tu vois. Ouais. Genre, tu sais ce que je veux faire? Ouais. Je vais me mettre là-bas, là. Je vais me mettre juste ici, et tu veux, genre, je vais te faire un signe, tu vas me ramener la chicha. Tu veux une charge? Ouais, voilà. Attends, fais le test. Attends de prendre. Tu veux que je t'allume et tout? Non, juste tu me fais le test. C'est juste le test. Je veux juste voir comment tu gères, tu vois. Tu te mets juste ici devant l'entrée. Ouais. Tu te mets devant l'entrée avec la chicha et moi je t'appelle, je vois juste le truc, tu vois. Ok. Sans charbon, rien. Non, sans charbon, sans rien. Dès que tu me vois là. Non.
Oh. Oh, je l'appelle, mais tu vois. Elle va là-bas. Aïda. Aïda. Ah ouais, c'est bon, vas-y, vas-y, on va la faire. Vas-y, vas-y. Genre, je suis là. Genre, je suis là, ouais. Je suis là, pose-la là. Tu la poses comme ça. Ici, je la pose, ouais. Tu la poses comme ça. Mais je fume d'abord. Tu fumes d'abord. Vas-y, fais-moi voir. Ouais. Le charbon, non ? D'accord. Non, c'est. J'aurais demandé un exemple. Juste un exemple, je vais demander un exemple. Donc, c'est comme ça que tu fais ? Ouais. On va faire autrement. Parce que là, c'est pas bon. Tu veux comment ? Non, là, c'est pas bon. En fait, quand t'arrives avec la chicha, regarde, reste ici, bouge pas. Ouais. Quand t'arrives avec la chicha, appelle-moi là. Appelez, appelle-moi. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien, monsieur ? Ça va, ça se passe ? Voilà, la chicha, elle est là. Bonne soirée. Tu vois ? Essaye de. Je me déplace pas. Mais là, ce soir, tu vas te déplacer. Je vais pas me déplacer, mon frère. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais pas me déplacer. Mais si, tu vas te déplacer. Avec moi, tu vas te déplacer. Ne jure pas. Je te dis, ne jure pas avec moi parce que ça va mal se passer, s'il te plaît. Ça peut se mal passer quand tu veux, où tu veux. Tu vas pas être menaçant. Moi, je te dis que tu vas te déplacer. Wallah, que je vais pas me déplacer. Frère, attends. Frère. Wallah, que je vais pas me déplacer. Frère, arrête de jurer sur. C'est mon travail. Ouais. C'est bon, je sais ce que je fais. C'est tout. Bon, s'il te plaît, si on peut refaire la scène comme non, je te l'ai faite. Bon, écoute, mon frère. Je te respecte énormément. Ouais. T'as des bons conseils. Ça, c'est donc, s'il te plaît, juste. T'as vu, mais tu vois ce que je veux dire? T'as des bons conseils. Là tu vois. Pose la chicha, s'il te plaît. T'as des bons conseils. Pose la chicha. Je vais laver, mon frère, je suis en retard. Pose la chicha, ouais, mais parce que t'emmerdes le monde. Là, écoute, regarde, moi je donne des conseils. Maintenant, tu vas te calmer, s'il te plaît. En souriant, t'as raison. Ça, c'est ce que je fais. Donc, tu peux le faire une fois, s'il te plaît? C'est ce que je fais. S'il te plaît, fais-le une fois et après on arrête. Une fois et on arrête. Bonsoir, c'est votre chicha. Non, on le fait là. Il faut que tu sois dans le truc. Mon frère, je sais ce que c'est. Allez, écoute, s'il te plaît, on fait une fois. Mon frère. S'il écoute, allez. Non, écoute, oui, mais je sais, mais attends, calme-toi. Frère, écoute, calme-toi. Tu es en train de me bloquer sur mon. Oui, mais je te tais, mais écoute, regarde, écoute. S'il te plaît, juste refais-moi la scène, c'est tout. Je te fais quelle scène? Tu me refais la scène que je t'ai fait, s'il te plaît, juste avec le sourire, je te demande pas plus. Viens au comptoir, je te fais. Quel comptoir? Tu te mets devant le comptoir, je te pose. Tu me le fais sur le comptoir? Non, mais vas-y, allez. Quand je t'appelle. Oh, ben, il y a pas moi-même, je te dis d'entrer. C'est sûr et certain. Oh, ben, y'a pas mon bel bout de madame. La tête de ma mère. Ouais. Tiens, ta chicha. Que ça. Si tu m'appelles comme ça, ouais. Ouais. Et tiens, ta chicha, mon frère. Ah, y'a pas de merci, bonne soirée. Ouais. Tu peux t'appeler un chien ou quoi? Non, mais parce que c'est tranquille. Non, mais tranquille. J'sais je donne quelques conseils. Pour... Un chien, ouais. C'est bonsoir, je pourrais avoir une chicha. Oui, tiens, tenez, monsieur, bonne soirée. D'accord, on va la refaire, on va la refaire et je dis pas ouais pas cette fois-ci. Vas-y. Admettons, il n'y a pas les chichas ici. Vas-y. C'est bon ? Je pourrais avoir une chicha, s'il vous plaît ? Oui. Bonsoir, on dit d'abord. Bonsoir. 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 Ok, reprends la chicha. Prends la chicha. Non, mais je pense que le public, il a. Viens, viens. Non, parce que là, je suis un mois avec toi. Regarde, là tu vois, tu me fous la honte devant tout le monde. C'est pour acheter. Non, là tu me fous la honte devant tout le monde. Non, là tu me fous la honte devant tout le monde. Là, je passe pour qui là ? Là, je passe pour qui, Ali ? Ali, regarde-moi, tu veux qu'on avance ou pas ? Tu me fais pas peur, mon frère. Tu me fais pas peur, je te dis. Calme-toi, c'est bon. Je te dis, tu me fais pas peur. C'est bon, tranquille. Ne donne pas des conseils, je te dis. Mais attends, frérot, attends. Écoute, je crois. Tu vas pas me donner des conseils, toi, mon frère. Mon père, il m'en donne pas, je pense pas qu'il m'en donne. Ok, super. Donc, j'arrête de filmer, tu gardes ton calme. S'il te plaît. Viens voir Ali. J'arrive, 2 minutes. Tu peux venir revoir Ali ? J'arrive. S'il te plaît. Écoute Ali, ouais. T'as vu la scène que tu m'as fait là ? Ouais. C'est terminé, c'est la première et la dernière fois parce que là moi je suis là un mois, c'est pas tu me fous la honte devant les clients. Ah, moi, je te dis et la chicha quand les clients ils gueulent, moi je veux pas entendre de clients gueuler. D'accord ? Parce que moi, s'il faut gueuler pendant un mois sur toi, je vais gueuler sur toi. Tu pourras pas gueuler sur moi. Si, si, bah moi je commence à lever la voix, d'accord, Ali ? Tu peux lever, je vais la lever aussi, mon frère. Non, mais écoute, tu vas te calmer, Ali, s'il te plaît. Je te dis, je suis pas quelqu'un comme ça, mon frère. Eh bah calme-toi, comme ça on avance ensemble. Moi, si je te dis que ce soir tu vas aller donner les chichas, tu vas les donner. Je te dis que je vais pas les donner. C'est tout. Bon, écoute, c'est quoi ? Ça va pas le faire. Hein. Ouais, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout, même. Si tu veux savoir. Bon, j'arrive. Faites. Il a la porte. Tu peux l'appeler, s'il te plaît ? Parce que ça va plus avec lui.
Ah, tu veux faire le mec patron? Bah écoute. Ah, pas patron. Non, tu veux faire le patron, y a pas de problème. Non, personne me donne des sous et des gens que je connais pas comme toi qui viennent qui. Non, mais moi je suis connu dans toute la France. Mais je m'en fous, t'es connu, mon frère. En tout cas, c'est comme ça là. D'accord. Le sourire, allez, le sourire. Didier, mon frère. Le sourire, allez. Je te dis, là ce soir, je t'aurai sur tes grosses côtelettes. Tu peux rester, mon frère. Je vais rester sur tes grosses côtelettes. Ça va rien changer. Mais mec, écoute, ouais, moi, il m'emmerde. Moi, je te le dis direct. Moi, mais je préférerais direct avec toi parce que lui, il me gueule dessus. Tout à l'heure, limite, il m'a plaqué contre le mur. Donc voilà. Ce soit clair. Moi, c'est soit pendant un mois. Moi, pendant un mois, c'est soit je le gère. Moi, et qui va. Moi, écoute. S'il y a un tacos au bout, il va y aller, le gars. Moi, je suis pas là pour rigoler, hein. Moi je te jure, tu sais très bien, la dernière fois j'avais baffé des gens. J'ai baffé des gens la dernière fois, tu te démerdes. Pour notre bien, Zinc. Mais de quoi ? Il me dit, les gens ils aiment pas tes chiens. Qui a dit ça ? Moi il le sait, hein. Je sais pas moi. Il me dit, il a dû se renseigner. Je me suis renseigné, écoute. Mehmet, il m'a dit ça. Ramène-le la raison. Des retours de chicha, j'ai dit oui, il y en a. Il m'a dit combien ? Je fais 4-5 par soir. Allez, c'est ton patron. Allez, c'est ton patron. Il y en a 4-5 par soir. Allez, c'est ton patron. Il y en a 4-5 par soir. Mais tu dis quoi? Mais je te dis qu'il n'y en a pas 4-5 par soir. Il y en a combien, voilà, tu vois? Mais tu verras ce soir. Il y en a combien? Mais mec, un ou deux. Je l'ai. Voilà, 20 secondes, c'est bon. Alors, c'est qui le patron? Il y en a un ou deux. C'est qui le patron? C'est mon. C'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est moi. Pour l'instant, c'est moi. Et tu vois, il m'a donné raison. Et maintenant, tu vas la mettre en veilleuse. Parce que c'est bon, stop. Tu la mets en veilleuse, s'il te plaît. Jamais de la vie. Mets-la en veilleuse. Jamais de la vie. Mets-la en veilleuse, s'il te plaît. Jamais. Mets-la en veilleuse. Écoute, jamais. Tu vas pas me dire ce que je vais faire. Tu vas pas me dire ce que je vais faire. C'est tout. Pendant un mois, ça va être comme ça. Tu vas me supporter, toi, et moi, je vais pas te supporter. Tu me menaces pas avec ton truc à chicha, hein? Ah, je te menace jamais, mon frère. Ah, moi, je suis pas méchant. Non, parce que moi, je fais du Krav Maga au cas où. Je suis pas méchant, mon frère. Sache-le, ça. Je suis pas méchant. Sache-le très. Juste, mets-toi en tête que je suis pas méchant. Ouais, mais moi, tu sais, je fais du Krav Maga, hein, donc. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire du Taekwondo, tu peux faire. D'ailleurs, même moi, c'est ça. Ouais, mais moi, je fais du Krav Maga, je te le dis, moi. Si ça part en sucette ici, chicha ou pas chicha, tu vois ce que je veux dire? Ça partira en sucette, il faut que ça part en sucette. Ah ouais? Comment ça? Je te dis. Tu quoi? Tu me menaces là? Quoi? Tu me menaces là? De quoi je menace? Je sais pas, tu essaies de me menacer? Non? Ah ben voilà. Mais tu me fais peur avec ton truc, avec pose tes trucs. Je suis pourquoi tu t'allais. Je suis en train de préparer une t-shirt pour mon DJ. Ok. Ça va, ça se passe dans ta vie? Toujours, mon frère. Donc là, pendant un mois, c'est moi le patron, t'as compris? J'ai jamais de la vie. Mais bien sûr. Fais-le avec le sourire. Tire plus. Voilà. Alors arrête de me dire ce que je dois faire, s'il te plaît. Tire plus, Mehmet. Moi, si, il faut gueuler, je peux gueuler, hein. Tu peux gueuler, mon frère. S'il te plaît, arrête, s'il te plaît, Mehmet. Ali. Je m'appelle pas Mehmet, je m'appelle. S'il te plaît, on faut avancer ensemble. Ah, moi j'avance. Écoute, regarde. Viens voir. Il a pas envie de souffler, faut qu'il souffle. Moi, je peux pas travailler avec lui. Je te dis automatiquement, je veux. C'est la meilleure. Tu veux pas travailler avec moi. Tu veux pas travailler avec moi. C'est pas qui c'est. C'est pour le bien de tous. Il y a pas de... Moi, je sais très bien ce que je fais. Mes chichas, s'il y a un retour, c'est une. Jusqu'à présent, mes chichas. Le pas avec les mains. Ne braque pas ta main sur le patron. C'est le patron. C'est le patron, oui. Et alors, même mon père, c'est mon patron. Tu sais ce qu'on fait, Mehmet? Il prend ses affaires, il se barre. Non, passe pas. Non, mais il prend ses affaires, il se casse. Moi, je vais gérer le truc. Tu me connais, hein? Ouais, je sais, frérot. Je sais. Donc, pose tout. Je pense. Tu peux, mon frère. Voilà. Tu peux tout gérer. Tu peux y aller, s'il te plaît? C'est mieux qu'il prenne sa veste et s'en va. Tu crois? Je pense. Non, mais c'est bon, Zinc, quoi, t'as vu? Ouais, je comprends. Tu vois? Bon courage, mon frère. Allez, salut. Salut. D'accord. Bon, écoute-moi, Ali. Ouais. Tu remercies, Mehmet. Pourquoi? Parce que je suis youtubeur et je fais des caméras cachées. Il y a une caméra là-bas. Viens voir, la caméra est là, viens! Viens voir, la caméra est noire, là, il y a une caméra ici. Bon, regarde, ils sont tous complices. Commence à en serrer. Ouais, vas-y, c'est bon, tu peux l'enlever. Je me suis dit, pourquoi les lumières ils sont allumées? Ça y est, dans ma tête? Je disais 23h30, pourquoi les lumières sont allumées? Attends, deux secondes. La team du père Bourras, on a piégé Ali, le mec qui s'occupe des chichas. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite BTG partagé. La team du père Bourras, j'espère que vous avez kiffé la nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et aussi, abonnez-vous à mon Instagram et à mon Snapchat qui s'affiche juste là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À très vite.